Bienvenue sur Plan B, l'émission Internet qui donne la parole aux acteurs de la transition et de la résilience. Aujourd'hui, nous allons parler de science et de recherche en énergie. J'ai l'honneur d'accueillir deux chercheurs, Grégory de Temmermann. Bonjour Grégory. Bonjour. Et Antoine Fécamp. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Nous allons aborder quatre thèmes au cours de cette émission. Tout d'abord, les grands enjeux en matière d'énergie et de climat auxquels fait face le monde. Deuxièmement, le rôle de la recherche pour affronter ces enjeux. Donc, on attend beaucoup de miracles de votre part, messieurs. Troisièmement, un focus sur la France et les enjeux de décarbonation pour notre pays. Et on va faire un zoom sur la mobilité, l'industrie et le secteur de la transformation de l'énergie, où on abordera un espèce d'état de l'art des technologies. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Qu'est-ce qu'il faut ne pas trop en espérer? Et puis, nous conclurons finalement sur les modèles de société et les moyens techniques qu'on peut mettre en avant pour plus d'efficacité et de sobriété énergétique pour préserver un minimum de qualité de vie pour les générations futures. J'introduis, avant de vous laisser la parole, sur les enjeux énergie et climat. Sur l'énergie, nous avons reçu il y a quelques mois Pierre Accard, chercheur en pétrole, pour aborder les questions de risque pétrolier. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un pic pétrolier mondial, une descente définitive. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des pics par le passé. Les États-Unis ont franchi dans les années 70 leur pic de pétrole conventionnel et depuis le déclin n'a fait que se prononcer. Le monde, d'après l'Agence internationale de l'énergie, a franchi son pic pétrolier conventionnel au milieu des années 2000. Et donc, ces puits qui arrivent en fin de vie vont décliner de plus en plus sans remonter. Si nous ne sommes pas entrés dans un déclin mondial, c'est parce que l'industrie non conventionnelle américaine, donc le pétrole dit de schiste, s'est développée, grâce notamment à l'époque à des prix du pétrole très très élevés. Cette industrie montre des signes pour le moins de faiblesse déjà avant la crise du Covid, et en ce moment les puits ferment les uns après les autres, alors que nous sommes dans une situation où, pour continuer à subvenir à la demande, les investissements dans le secteur pétrolier sont supposés radicalement augmenter et non radicalement baisser. Ça ne veut pas dire qu'en 2025 on presse la pompe et il n'y a plus rien, ça veut dire que voilà, les choses vont potentiellement se tendre et que l'abondance touche potentiellement à sa fin et qu'il va falloir se serrer la ceinture. On sera sûrement capable d'aller en rechercher, d'aller gratter les fonds de tiroir, éventuellement de reproduire l'expérience américaine d'extraction de pétrole non conventionnel ailleurs dans le monde. Mais voilà, on est plus dans l'abondance du siècle passé, qui plus est avec une population mondiale croissante qui veut de plus en plus vivre comme le milliard du haut. Voilà pour cela. Alors, on est beaucoup dans le déni sur ce genre de sujet de pic énergétique. On nous l'annonce depuis des décennies, ce n'est pas arrivé. Sauf que cette attitude, du coup, si encore on avait réduit notre dépendance aux énergies fossiles dans ce temps-là, pourquoi pas? On se dit, c'est bon, on contrôle la situation. Sauf qu'on a cette attitude alors qu'on accroît notre dépendance énergétique aux énergies fossiles, ce qui, personnellement, moi, m'inquiète. On va parler de climat aussi, et puis messieurs, vous êtes bien mieux placés que moi pour en parler. Moi, ce qui me perturbe particulièrement, cette question de changement climatique, donc lié en grande partie à la combustion d'énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, et lié aussi à la déforestation. Ce qui me perturbe, c'est pas tant l'ampleur du réchauffement, donc plus 2, plus 3, plus 4, on parle maintenant de plus 7 degrés d'ici la fin du siècle dans certains modèles les plus récents, c'est plus la rapidité du réchauffement et la population humaine qui doit s'adapter très rapidement à ce réchauffement. Voilà, si on était 10 millions sur Terre qui doivent s'adapter à un réchauffement à plus 5 degrés étalé sur 1000 ans, on dit génération après génération, on va un petit peu plus loin sur tel territoire à côté qui est moins touché, on fait un petit peu moins d'enfants, on adapte notre consommation petit à petit. Voilà, là, on n'a pas cette marge de manœuvre-là. L'urgence est élevée, l'effort à fournir est colossal. Antoine en parlera mieux que moi. Voilà pour cette introduction. Peut-être pour laisser la parole à Grégory sur comment tu vois les enjeux énergie-climat à échelle mondiale.
Peut-être je vais juste me présenter vite fait. Greg de Temmermann, je suis physicien. Je travaille dans le domaine de l'énergie depuis une quinzaine d'années. Je travaille plus particulièrement sur quelque chose dont on discutera après, qui est la fusion nucléaire, qui est souvent mentionnée comme justement une solution d'avenir. Et c'est intéressant parce que ça m'a permis de réfléchir beaucoup à ces questions, de savoir ce que ça voulait dire une solution et une solution à quel problème et si vraiment le terme de solution existait. Donc pour répondre à ta question, on est dans une situation assez inédite où on rentre dans une contrainte double, une contrainte, comme tu l'as dit, de ressources, mais aussi d'impact. On est potentiellement limité par la quantité de ressources ou la quantité d'énergie qu'on peut mobiliser, mais aussi par l'impact des énergies qu'on utilise. Donc, petit récapitulatif peut-être, à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'une cinquantaine d'années, on dépend à 80% d'énergie fossile. Donc 80% de l'énergie primaire qu'on utilise, c'est brûler des sources carbonées, charbon, pétrole, gaz naturel. Et ça n'a pas bougé depuis 40 ou 50 ans. Ce qui fait qu'on émet des quantités de CO2 dans l'atmosphère qui sont assez gigantesques. On a plus de 40 milliards de tonnes de CO2 par an émises. Et en fait, on en émet tellement qu'on change la concentration de notre atmosphère. Ce qui, moi, me paraît toujours faramineux, c'est qu'un petit être comme nous arrive à modifier son atmosphère. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on parle d'énergie, mais sans toujours savoir ce que c'est. Alors, un physicien, on aime bien parler d'énergie, mais même un physicien, en fait, il a du mal à définir ce que c'est exactement l'énergie, parce que même Feynman, un prix Nobel, disait que c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment mesurer, donc on ne sait pas expliquer. Alors, ça a trait à plusieurs choses. L'énergie, ça a plusieurs formes, il y a plusieurs types d'énergie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit directement, on voit les effets de l'énergie. Quand on pousse quelque chose ou qu'on utilise de l'énergie, on voit ce que ça fait comme effet, mais on ne voit pas vraiment ce que c'est. Et donc, c'est important de se rappeler que l'énergie, c'est ce qui nous a permis de faire tout ce qui est autour de nous, hein, parce que l'énergie, ça quantifie notre capacité à transformer le monde. Et donc, si on a pu transformer le monde, c'est qu'on s'est trouvé dans une situation où on a pu mobiliser des quantités d'énergie toujours plus grandes en utilisant des énergies fossiles, principalement, qui ont une densité d'énergie extrêmement forte. Et donc, au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'on en a mobilisé de plus en plus. Au tout départ, des énergies fossiles, elles sont extrêmement faciles à récupérer. Les premières exploitations de charbon, c'était à peine sous le sol. Il suffisait de gratter un petit peu. Pour le pétrole, c'est pareil. On a tous des images de geysers de pétrole dans les années 1900 aux États-Unis. Et en fait, c'est extrêmement pratique, c'est dense. Hein, c'est ce qui nous a permis de développer les transports. C'est le fait que le pétrole, ça se transporte. C'est extrêmement dense énergétiquement. C'est déjà un peu moins vrai pour le charbon, par exemple. Et on s'est créé une dépendance comme ça, quelque chose qui est extrêmement facile. On en utilise de plus en plus. Depuis 1950, la consommation d'énergie dans le monde a été multipliée par plus de 4. Donc on est sur une pente extrêmement forte par deux raisons. D'une, parce qu'on en utilise de plus en plus, même nous, dans des pays développés. Et de deux, parce que de plus en plus de gens veulent en utiliser de plus en plus et la population augmente. En fait, on est dans un petit. On s'est basé sur une abondance énergétique, sur la facilité de mobiliser de l'énergie, et on est justement dans une phase où ça devient de plus en plus difficile parce qu'on a, en gros, siphonné tout ce qu'on pouvait siphonner facilement. Donc, le taux de retour énergétique, la quantité d'énergie qu'on récupère par rapport à la quantité d'énergie qu'on investit pour récupérer cette énergie a tendance à diminuer avec le temps de façon naturelle. Et beaucoup des solutions qu'on nous propose, en fait, ont des taux de retour énergétique qui sont alors soit équivalents à ce qu'on a à l'heure actuelle, soit plus bas, mais dans tous les cas beaucoup plus bas que ce qu'on a connu. Donc on est dans une situation où la quantité d'énergie qui est disponible à nous diminue, ou de toute façon il faudra de tout augmenter notre capacité, pardon, il faudra investir de plus en plus d'énergie pour en récupérer. Ce qui pose un problème de ressources énergétiques et ensuite de ressources fossiles comme tu l'as mentionné. Merci Greg. Oui, l'image que j'aime bien donner sur les questions de densité, c'est qu'il faut se rendre compte que le pétrole, donc un litre, c'est-à-dire l'équivalent d'une bouteille de lait, permet de déplacer un objet roulant de une tonne sur une quinzaine de kilomètres. Voilà, ça donne quand même une idée des avantages physiques de cette chose. Et moi, ce qui me perturbe pas mal sur ces débats sur la transition énergétique, avec on va dire, une dichotomie énergie fossile méchante, et effectivement il faut s'en débarrasser contre énergie renouvelable gentille, c'est que le débat est très porté sur l'économie. Voilà, les énergies fossiles touchent tant de subventions où le coût du panneau photovoltaïque a énormément chuté. On parle beaucoup de critères et d'indicateurs économiques et pas tant physiques. Or, pour pouvoir faire cette transition, il faut que la physique soit au rendez-vous et les avantages physiques qu'on est en train de citer sur les énergies fossiles, donc densité,
pilotabilité, stockabilité, etc. Encore faut-il pouvoir les remplacer, quels que soient les coûts de part et d'autre. Voilà, il faut que quand même la machine puisse fonctionner. Merci pour cette introduction. Antoine, à ton tour, je te laisse te présenter et apporter un peu ton regard introductif sur ces sujets. Merci. Effectivement, je me présente également, Antoine Fécamp. Alors, moi, je suis le chimiste de la bande, hein, Greg est le physicien. Je suis chercheur depuis 15 ans à peu près dans le domaine des énergies, donc axé sur la recherche autour des matériaux, de la chimie, au service des énergies assez diverses. Hein, ça va du pétrole jusqu'aux énergies les plus blue sky qu'on pourrait avoir en tête, donc un spectre assez large. Je reviens sur ce qu'a dit Greg sur effectivement le fait que jusqu'alors on s'est développé sur un modèle en fait qui a bénéficié d'un joli paquet cadeau qui était enterré sous terre, qui avait la bonne idée d'être super dense d'un point de vue énergétique, et donc ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui. La plus grosse contrainte en fait pour aller vers la transition qu'on souhaite à peu près tous de nos voeux, c'est en fait la dispersion de ces ressources. On peut penser à l'éolien, on peut penser au solaire, on peut penser même à la géothermie, même si c'est un peu moins vrai, mais en gros tout ce qui est on va dire renouvelable ou apporté par la nature est renouvelé. Ça se trouve disséminé à des densités énergétiques très faibles par rapport à ce sur quoi on a fondé notre société. Donc ça, c'est quand même le problème de base, et c'est ce qui, selon pas mal de gens, selon moi en l'occurrence, est un frein majeur au fait que la transition, c'est pas évident. La transition énergétique, c'est pas évident. Et du coup, pour rebondir sur les enjeux énergie-climat, en fait, moi j'aime bien, pour savoir si j'ai un problème, j'aime bien savoir combien j'ai de budget. Hein, à la fin du mois, j'aime bien savoir si je vais être embêté ou pas. Et pour le carbone, c'est un peu la même chose. On peut trouver facilement des données qui ont été relayées par le GIEC. Hein, c'est pas le GIEC qui fait les données, mais des données qui sont relayées par le GIEC, qui indiquent que, en fait, il nous reste... on va dire, on a un budget à peu près de 3000 gigatonnes de CO2 qu'on peut émettre dans l'atmosphère, d'accord, si on veut respecter ces 2 degrés. Aujourd'hui, on en a émis à peu près 2000 gigatonnes. Hein, depuis, et ça principalement depuis l'après-guerre, on va dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut respecter ces 2 degrés, il nous reste, en fait, dans notre budget, là, il nous reste 1000, un peu moins de 1000 gigatonnes de CO2 à dépenser à l'horizon 2100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, qu'on a le droit de dépenser ou d'émettre 2 fois moins que nos parents. Et ça donne une image du côté vertigineux de ce qu'on a à faire, hein, pour atteindre ces 2 degrés. Et atteindre ces 2 degrés, c'est pas forcément quelque chose à prendre à la légère. Pourquoi on n'est pas forcément en train de dire que 2 degrés, 2 degrés 5, 1 degré 5, c'est mieux ou c'est pire? C'est pas tellement ça, c'est que au-delà de ces valeurs de température qu'on sait à peu près modéliser, au-delà de ces seuils, eh ben, il y a plein de petits effets qui se coulent, qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément intuités, qui ne sont pas forcément anticipés ou qui ne sont pas forcément anticipables. Et de ce fait-là, demain, c'est déjà un saut dans l'inconnu, mais au-delà de 2 degrés, c'est du super inconnu. Quoi. Si je peux juste rebondir, en fait, parce qu'on parle souvent de quantité de CO2 émise ou quantité de CO2 qu'on a le droit d'émettre, ça amène un point intéressant qui est en fait qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on utilise. Par exemple, on utilise, en 2019, on a brûlé l'équivalent de 12 milliards de tonnes de carbone, d'accord, pour produire le CO2 qu'on a émis. Ça représente une quantité de carbone énorme, et je pense pas que les gens savent vraiment à quoi ça correspond. J'aime bien l'image de dire que si on prend un petit Rubik's Cube en carbone, d'accord, une sorte de Rubik's Cube de charbon, un cube de 5 cm par 5 cm par 5 cm, on en brûle quand même l'équivalent d'1,3 million par seconde dans le monde. Ce qui montre encore un peu ce que disait Antoine, c'est que c'est une falaise énorme. On a une quantité de ressources qu'on utilise qui est absolument gigantesque, qui augmente avec le temps, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Et donc, quand on parle de transition, on a
on a deux problèmes. C'est que d'une, on utilise toujours plus d'énergie, donc transitionner, c'est extrêmement difficile parce qu'on essaie de courir après une pente qui augmente. Et l'autre, c'est qu'en fait, en quantité nette, ce sont des quantités qui sont absolument gigantesques. On parlera plus tard de stockage. Quand on parle de 40 milliards de tonnes de CO2 émises par an, ou un peu plus même, si on veut stocker ça, ce sont des quantités qui sont absolument énormes. Et c'est important d'avoir un petit peu les ordres de grandeur en tête, parce que ça ne parle pas à grand monde. On parle de milliards de barils de pétrole ou de millions, etc. Pas grand monde sait à peu près à quoi ça correspond, et c'est bien normal. Et ça amène une autre chose que j'aurais pu dire dans mon introduction. On a un écho, en fait, Antoine. C'est que on est un peu aveugle au niveau énergétique. On ne sait pas en général combien d'énergie a pris la production de tout ce qui nous entoure. C'est Nate Hagans aux États-Unis qui utilise ce terme. Quand on a un téléphone portable, quand on a un ordinateur, celui devant lequel je suis en train de parler, on ne sait pas combien d'énergie ça a pris pour le fabriquer. Et ça, c'est quelque chose qui rend les choses un peu plus difficiles encore, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise ou piégée, dans tous les objets qui nous entourent, pour faire de l'aluminium, comme l'ordinateur que j'ai en face de moi, ou des écrans LCD, etc. Et tout ça, on ne le voit pas parce que c'est très loin de nous. Et ça complique encore les discussions au niveau énergétique, parce qu'on a tendance juste à penser à ce qu'on paye, ou à ce qu'on met dans la voiture, ou à ce qu'on met dans sa chaudière au fuel, si on a une chaudière au fuel, mais pas trop à ce qui nous entoure et ce qui a nécessité d'énergie pour fabriquer ce qui nous sert tous les jours. On a tendance à avoir oublié aussi à quel point notre vie dépend d'abondance énergétique. Enfin, il y a une certaine illusion d'économie dématérialisée. Voilà, un monde qui maintenant vise surtout des services, de la culture, du digital. Bon, le digital consomme énormément d'énergie et de matériaux, mais quand bien même, tout cela n'est possible que parce qu'on est assis sur une épaisse couche d'énergie qui permet de faire tourner des machines qui font le travail industriel et surtout agricole à notre place. Si on est là, le luxe de faire une discussion où on refait le monde sur YouTube, c'est parce que on n'est pas obligé d'aller au champ. Donc voilà un peu de ce dont on parle. Merci à tous les deux. On va passer au rôle des chercheurs dans ces enjeux-là, sachant que le contexte tel que je le vois est le suivant. Les politiques ont peur de prendre des mesures impopulaires, voire de déstabiliser totalement leur pays. On peut imaginer que si la Chine tout à coup réduit drastiquement son exploitation du charbon, elle n'est plus stable socialement, de même pour l'Inde, voilà pour les politiques. Que la société civile ne veut guère changer de comportement ou du moins aspire à un mode de vie consommateur, et les plus pauvres dans le monde, à juste titre, aspirent au même mode de vie que le haut de la pyramide. Et enfin, les entreprises, ben, j'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais n'ont pas particulièrement beaucoup d'argent à se faire dans le sauvetage de la planète et donc de la civilisation. Ça aurait été bien qu'il y ait des marchés très, très juteux de sauvetage de la planète, mais bon, hélas, le profit en l'état génère plus de consommation d'énergie fossile et de dégâts sur les écosystèmes. Du coup, messieurs, on se tourne vers vous. C'est à vous de faire le boulot. C'est à vous de trouver une solution. Et la conclusion de ces discussions, c'est, on va dire, les tenants de la croissance verte, c'est ne vous inquiétez pas, on a toujours trouvé, la science pourvoira. Grégory, est-ce que la science pourvoira ? Voilà, je ne vais pas dire oui ou non, parce que ça, c'est un peu ambitieux, mais c'est une question intéressante, en fait, parce que il y a plusieurs aspects là-dessus. Il y a déjà un aspect un peu fuite en avant. C'est-à-dire que si on est capable de trouver une source d'énergie miracle, on peut se dire que ce n'est pas trop la peine de faire des efforts. Donc, le rôle du chercheur, déjà à la base, ce n'est pas forcément de trouver une solution. Hein. La recherche, ça correspond à l'acte d'essayer de comprendre la nature qui nous entoure, essayer de développer des choses. Ce n'est pas forcément de répondre à un cahier des charges précis. Je vais prendre un exemple concret, en fait, parce que c'est sur ce sur quoi je travaille, et ça permet d'illustrer un peu ou de répondre un peu à ta question. Quand on parle d'énergie, une énergie qui est souvent mentionnée comme une énergie miracle, c'est la fusion nucléaire, c'est le rêve de reproduire ce qui se passe sur le Soleil. Alors, je ne suis pas là pour vendre ce sur quoi je travaille, mais c'est un bon exemple sociologique, en fait, de penser qu'il y a une solution et que ce n'est pas la peine d'avoir un changement de comportement. L'idée, c'est si on est capable d'utiliser la fusion nucléaire, et bien, c'est extrêmement dense énergétiquement, ça produit beaucoup moins de déchets ou des déchets différents, je vais requalifier un peu, qu'une centrale actuelle. Et les ressources sont abondantes, donc en principe, si on arrive à le faire, on a des ressources pour plus de 100 000 ans. Donc à la base, on se dit, ah ben, c'est parfait, en fait, il suffit de faire ça.
Alors, dès qu'on commence à regarder un peu dans les détails, c'est déjà un petit peu moins vrai, parce qu'il y a la première chose qu'il faut toujours garder en tête quand on parle de recherche, c'est les échelles de temps. Ce qui se passe en labo maintenant, alors nous, on est plutôt avec Antoine, je pense, dans la recherche plutôt fondamentale, mais du moins en amont, c'est pas extrêmement appliqué, du moins, ou c'est pas commercialisable juste demain. Et ben, il faut un certain temps pour développer quelque chose, et ensuite, il faut un certain temps si on veut le déployer. Il y a un article assez intéressant qui a été publié dans Nature en 2009 qui parle de ça justement et qui dit qu'il faut en fait une vingtaine, une trentaine d'années minimum pour arriver d'une idée à une commercialisation. Donc ça, il faut le garder en tête, même si on développait la fusion extrêmement rapide, enfin qu'on était capable de faire de la fusion, il faudra 30, 40 ans avant que ça ait vraiment un impact sur la grille électrique. D'autant plus qu'en fait, encore une fois, comme on est sur une base qui augmente, plus la base augmente, plus c'est dur de prendre une certaine part de marché. Donc, même si on développe une solution extrêmement intéressante, on ne va pas y passer, on va pas du jour au lendemain passer à cette solution. On peut penser par exemple à la Chine qui vient d'annoncer cette année qu'elle ouvrirait un grand nombre de centrales à charbon cette année. Une centrale à charbon, c'est quoi? C'est quand même 1,5 milliard de dollars, même en Chine. Ils vont pas les fermer en 2021 juste parce qu'il y aura une autre solution. Ils vont essayer de les amortir. Donc, la recherche, elle doit continuer dans le sens où on cherche à augmenter l'efficacité énergétique, à développer ou à permettre le développement des énergies bas carbone, mais elle n'implique pas qu'on pourra continuer à vivre de la façon dont on le fait à l'heure actuelle, juste parce qu'on aura une autre situation technologique. Et je dirais même qu'en fait, c'est même contre-productif, et c'est le cas, par exemple, c'est mon argument, du moins pour la fusion, si on la développe juste pour pouvoir continuer à utiliser autant d'énergie ou utiliser l'énergie de la même façon qu'on le fait actuellement, c'est peut-être pas extrêmement malin. C'est peut-être pas une solution, parce qu'en fait, on déplace le problème, on n'est plus sur un problème énergétique, on est sur un problème de ressources ou d'impact, l'impact qu'on a sur notre environnement. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention, d'une, Antoine complétera ou même peut-être me contredira, mais je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, parce qu'en fait on part de quelque chose qui était, comme ça a été dit, facile, pilotable et dense et extrêmement abondant à la base, c'est moins vrai maintenant, et en fait le remplacer un pour un, c'est impossible, ne serait-ce qu'en termes d'utilisation. C'est-à-dire, si on développe des solutions pour produire de l'électricité, c'est bien, mais une grande partie de l'énergie qu'on utilise, ce n'est pas sous forme électrique. Donc, on n'a pas de remplacement un pour un. Par exemple, pour le transport, on en parlera plus tard, mais on n'a pas de solution miracle pour l'instant pour le transport. Donc, même si on avait une solution miracle pour l'électricité, il reste encore le problème de l'électrification des transports. Donc, le rôle des... C'est quoi ? C'est un quart de l'énergie mondiale et française, à peu près. En France, c'est un peu plus que dans le monde, parce qu'on a commencé notre électrification il y a plus longtemps. Je pense qu'en France, c'est près un quart, dans le monde, un peu moins. Mais ça reste une proportion minoritaire du mix énergétique. Et du coup, ça laisse le problème des 70-80% des 70-80 autres pourcents qui restent. Non, c'est ça, il y a une inertie du système énergétique qui ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain. Ça fonctionne sur des pas de temps de plusieurs décennies, si ce n'est de 50 ans. Merci pour ça, Greg. Et il y a des lois, je vais juste finir en disant, il y a des lois physiques aussi, c'est-à-dire qu'on est limité par ce que la physique peut faire. Or, comme l'a dit Antoine, un carburant fossile, c'est de l'énergie solaire qui a été concentrée sur des millions d'années, donc il y a ce facteur temps intégral sur le temps qu'il faut prendre en compte. Faire mieux que ça, c'est pas possible. Même si on arrive à faire de la photosynthèse artificielle, ce qu'on arrive à faire, c'est extrêmement peu efficace. Et donc, on se bat contre le facteur concentration dont on parlait avant. On a parlé en privé aussi, Greg, mais cette question de reproduire la loi de Moore, qui a effectivement fait quelques miracles en microélectronique, se dire que la même chose peut se produire dans le domaine de l'énergie, sur par exemple la densité des batteries. C'est quelqu'un comme Idriss Aberkane qui suggérer cette idée récemment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer, quelque chose sur lequel tu serais plutôt sceptique? Alors, la loi de Moore, déjà, c'est intéressant de rappeler ce que c'est. C'est le doublement, ça quantifie le doublement du nombre de transistors sur un microprocesseur, d'accord? C'est à peu près tous les deux ans, je crois, le doublement. Et ça tient pas mal, mais ça marche parce qu'on fait des choses de plus en plus petites. Et comme disait, je crois, c'était Feynman qui disait, il y a toujours de la place en bas, donc on peut toujours diminuer la taille des choses, même là, on arrive à une limite. Mais la loi de Moore, c'est aussi quelque chose qui quantifie ce qui est déjà commercialisable. Donc, c'est déjà en aval, en fait, de la chaîne. C'est qui est mis sur le marché et on regarde les processeurs qu'on produit. L'autre chose qui est assez trompeuse dans la loi de Moore, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est une évolution constante et en fait, c'est comme toutes les évolutions technologiques, il y a des ruptures. On revient parfois en arrière parce qu'il faut le temps de redévelopper une technologie, donc il ne faut pas croire non plus que c'est quelque chose de linéaire.
Et la loi de Moore, en fait, elle s'applique que, à ma connaissance, du moins, que sur ce domaine particulier. On arrive toujours, quand on parle d'énergie, par exemple, ou même d'autres choses, à une phase plus linéaire où les choses prennent beaucoup plus de temps. Et c'est le principe, en fait, du déploiement d'une énergie, par exemple, c'est qu'il y a deux phases. Il y a une phase exponentielle où on va très vite parce qu'on développe, enfin, on part de très bas, hein, déjà, donc évidemment, c'est plus facile d'aller vite en proportion. Et à un moment ou à un autre, en fait, on commence à prendre une certaine part de marché. Et à partir de là, une croissance exponentielle est plus soutenable parce qu'on commence à être en compétition avec des moyens qui sont déjà installés. Et donc, on est dans la discussion du amortissement des infrastructures déjà existantes. Et c'est extrêmement important de garder ça en tête parce que souvent, on voit des courbes de l'évolution, que ce soit de l'éolien, du solaire ou du nucléaire, qui sont exponentielles au départ. Et du coup, on extrapole, on dit « Ah bah, c'est bon, dans 10 ans, on a 50% telle technologie ». Dans 20 ans, 100%, pas de souci. Mais en fait, non, parce que cette courbe exponentielle, au bout d'un moment, elle s'aplatit. Et on est sur une phase qui est beaucoup plus compliquée, qui est, ben, il faut remplacer les choses qui existent déjà, en admettant qu'on ne veuille pas que la base augmente, toujours pareil. Et ça, ça se fait pas à une vitesse infinie non plus. Merci. Antoine, ton regard sur le rôle de la recherche ? Écoute, alors déjà, petite précision sur la manière dont enfin, sur mon expérience sur la recherche, effectivement, je fais de la recherche fondamentale, donc comme le disait Greg au début de sa présentation. Mais j'ai également l'occasion d'aller jusqu'à la recherche, ce qu'on appelle recherche appliquée, qui a pour objectif de parfois implémenter des solutions technologiques à un terme relativement court. Donc en fait, j'ai un peu les deux casquettes, et donc j'ai un peu la vision de cette échelle de temps très très longue qui est l'amélioration de la compréhension des phénomènes, des mécanismes pour le long terme. Et puis, les choses qui sont contraintes par le temps et peut-être aussi par le business ou par les réalités économiques. Mais malgré ça, en fait, cette contrainte de temporalité dans le monde de la recherche, il faut vraiment bien la comprendre, il faut vraiment bien la concevoir. Et je pense que tout le monde l'a déjà un petit peu en tête. Enfin, on s'est tous un peu tapé la blague du chercheur qui trouve. Je ne sais pas si toi, avec ça t'est arrivé, mais moi, ça m'arrive un peu tout le temps. Et c'est vrai, c'est qu'en fait, on est tellement dans le côté immédiat des choses qu'un chercheur qui ne trouve pas demain, c'est un chercheur qui ne trouve pas tout court. Alors qu'en fait, la plupart du temps, il y a des choses, comment dire ça, il y a quand même des choses qui arrivent, la vie des gens a pu s'améliorer grâce aux recherches à certains moments, en tout cas j'espère. Mais en fait, le truc, c'est que le moment où la découverte arrive, où on a trouvé le truc, la personne qui nous a demandé si on avait trouvé ne se souvient plus qu'elle nous a posé la question. Parce que ça met un peu de temps, voilà, ça met du temps. Et même à l'échelle de la recherche industrielle, on va dire, ça se compte nécessairement en années et même parfois en quelques dizaines d'années aussi. C'est pas parce qu'on est sur des évolutions qu'on appelle incrémentales parfois de la recherche que ça se fait demain, parce qu'il y a tout un lot de conditions idéales pour accueillir l'innovation qui a pu être faite qui sont pas forcément là. Parfois on est en avance, typiquement on pourra citer la capture du CO2 peut-être un peu tout à l'heure. Nous, on avait travaillé là-dessus pendant un moment, pas que nous d'ailleurs, et en fait, on est arrivé 10 ans trop tôt, et il n'y a jamais rien qui s'est vendu, jamais rien n'est parti, alors que c'était prêt. Voilà, donc il y a tout un lot de paramètres à prendre en considération, mais déjà la temporalité de la recherche, c'est quelque chose qui est super important à considérer. Sur le rôle de la recherche, on va dire, dans cette histoire d'enjeux énergie-climat. Je ne sais pas, bon, vous avez, ou ceux qui nous écoutent ont probablement déjà vu des vidéos de Jean-Marc Jancovici. Quand il parle du nucléaire, il le qualifie souvent de matelas, en fait, par rapport à la chute qui nous attend. Alors, moi, je dirais plutôt que le nucléaire ou d'autres solutions décarbonées comme ça sont plutôt des parachutes. Et en fait, ce qu'on fait, nous, donc pour aider à la chute, hein, qui de toute façon, qui de toute façon arrivera, elle sera peut-être plus douce ou plus raide. Moi, mon point de vue, c'est que ce qu'on met en place au niveau des laboratoires, au niveau de la recherche,
sont effectivement les matelas qui vont amortir la chute, qui vont permettre plus tard de ne pas retourner au Moyen-Âge, de vivre peut-être convenablement. Mais ce ne sont pas, et ce ne sera jamais, comme le dirait Greg, des solutions miracles. Quelqu'un qui vous dit, voilà, moi j'ai la solution sur la mobilité, le 100% X va sauver le monde. Et bien, la personne qui vous dit ça, soit n'a pas tout compris, soit ment délibérément. Voilà, parce qu'une solution unique n'existera pas, puisque rien d'aussi dense n'existe que le pétrole. Juste pour rebondir là-dessus, ça amène à un point important qui est... On voit des articles fleurir quasiment chaque semaine sur une nouvelle batterie qui a été développée, sur une nouvelle technologie, mais sur une avancée, je vais prendre la fusion, c'est le domaine que je connais plus, quelqu'un qui a réussi à faire une grosse avancée, etc. Et en fait, on a souvent tendance à penser que les chercheurs survendent ce qu'ils ont trouvé. Et c'est important peut-être de rappeler un petit peu comment ça marche. Souvent, les gens voient des articles de presse qui sont faits par les services de communication, d'instituts, d'universités, et qui en fait essayent d'enjoliver les choses parce qu'il faut essayer d'attirer des financements. Il faut bien garder en tête que souvent, pour la grande majorité, les chercheurs ont les pieds sur terre et savent de quoi ils parlent. Et quand on lit une publi scientifique, c'est assez rare, mais moi, ça m'est quasiment jamais arrivé de voir que la publi finit par « c'est bon, on va sauver le monde ». Et il faut donc faire attention aussi quand on... Moi non plus, j'ai dit presque jamais juste pour être sûr, mais il faut faire la différence en fait quand on voit tous ces articles qui fleurissent entre ce que les chercheurs ont vraiment trouvé, qui est souvent très intéressant, hein, mais qui n'est pas forcément une révolution, parce qu'il n'y a pas de révolution scientifique tous les trois jours, et ce qu'on voit en fait dans les médias, ce qui est passé par des dossiers de presse, etc. Et on a souvent tendance un petit peu à revenir du coup vers les chercheurs en disant « mais vous nous aviez promis ça » et en fait c'est pas forcément non plus tout à fait vrai, c'est un intermédiaire entre deux qui a essayé de communiquer. Donc le chercheur en général, alors c'est de moins en moins vrai, mais le chercheur avait la réputation d'être un très mauvais communicant. Et du coup, il y a des gens qui comprennent à peu près ce qui se fait, qui essaient de faire des articles de presse et où c'est enjolivé parce qu'on est dans une course à la communication comme tout le monde. Mais je voulais juste préciser ça en fait, c'est que quand vous voyez des articles de presse à droite à gauche, souvent c'est un peu enjolivé par rapport à ce qu'il y a vraiment. Et allez toujours voir la source, le papier. Alors, malheureusement, c'est souvent un peu plus obscur, mais ça vaut le coup de regarder en diagonale au moins les papiers pour voir ce qui est vraiment fait à l'intérieur. Et moi, je rebondis aussi un petit peu sur ce que tu dis. Effectivement, il y a cette voie de presse qui peut enjoliver les choses, parfois qui peut enjoliver le message. Et il peut y avoir un peu de transformation de message, même si parfois les communiqués initiaux des chercheurs peuvent être déjà un petit peu survendus. Mais ça, c'est le jeu effectivement du financement des laboratoires de recherche aussi. Hein. Comme toute institution, il faut être financé pour survivre, et pour être financé, il faut être le meilleur. Donc pour être le meilleur, il faut dire qu'on est meilleur. Et moi, je reviens juste sur un point aussi sur les solutions potentielles. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à une transformation ? Il y a quelque chose qu'il faut considérer vraiment, vraiment, vraiment de manière très importante. C'est que, on a dit au tout début, les fossiles sont plutôt très denses et donc très commodes à utiliser. On essaye de développer sources ou des moyens de transformer l'énergie de manière plus ou moins renouvelable, en tout cas le plus possible. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est une réalité économique, c'est que tant que le pétrole sera aussi peu cher qu'il l'est aujourd'hui, mais même qu'il l'était avant-hier, même avant la crise qu'on connaît aujourd'hui, tant que ce sera à ce niveau de prix-là, il n'y a rien qui verra le jour, en tout cas à court terme. Et je dirais, tant que ce sera à ce niveau de prix-là et que le critère prépondérant sera le critère économique, hein, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus commode à utiliser, les infrastructures sont déjà là et ça coûte moins cher, tout simplement. Donc, ça, c'est un prérequis. C'est clairement un prérequis. Alors, il y avait on a commencé à essayer de contrebalancer ça en mettant des quotas CO2, en faisant un prix du CO2, des taxes carbone qui ont été évoquées, ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, on n'est même pas à l'équilibre entre la compensation du coût un peu faible de ces énergies fossiles et puis du surcoût amené par l'exploitation d'énergies renouvelables.
va y revenir en faisant alors, un zoom sur la France. Alors, ce qu'on dit est applicable à beaucoup d'autres pays. On va aborder des technologies qui sont potentiellement universelles. Néanmoins, c'est bien de se focaliser sur un pays qu'on connaît, ça donne des points de repère. Les émissions de gaz à effet de serre en France, bon, tout d'abord, c'est 40% liées aux produits qu'on consomme et qui sont importés d'ailleurs. Voilà. On a une industrie qui s'est délocalisée. On a des industries qui ne se sont juste jamais développées en France et qui, dès le départ, sont nées en Chine avec des usines qui, nous savons, tournent au charbon. C'est pas de ces importations dont on va parler, mais c'est important de savoir que ce qu'émet la France, c'est déjà pour quasiment la moitié, donc 40% lié à ce qu'on consomme qui vient de l'extérieur. Donc c'est un peu la première marge de manœuvre serait de s'occuper de ça, soit par de la relocalisation, soit par de la relocalisation de la production, soit la sobriété dans la consommation de ces produits. Deuxième poste d'émission, la mobilité pour 17%, puis le bâtiment pour 12%, puis l'agriculture pour 11%, l'industrie pour 11%, et enfin la transformation de l'énergie pour 6%, sachant qu'avec une électricité bas carbone venant du nucléaire et de l'hydraulique, on a effectivement une industrie de transformation de l'énergie qui émet assez peu. On mettra en commentaire le lien qui permet de retrouver ces chiffres et bien d'autres informations utiles. Nous, ce sur quoi on veut faire un zoom, c'est particulièrement la mobilité, l'industrie, ou ce qu'il en reste, et la transformation de l'énergie. Ce n'est pas parce que ça émet peu que ce n'est pas un sujet pertinent, on va le voir. Sur la mobilité, en commençant par Antoine, alors les solutions potentielles sont multiples, on fait miroiter de belles choses, et il y a sûrement de belles choses à faire, l'électrification, le véhicule à hydrogène, le véhicule thermique qui est aujourd'hui beaucoup plus efficace qu'il y a 10-15 ans, les agrocarburants, etc. Voilà. Ma question à toi, c'est quel est le potentiel de tout ça ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut rêver de maintenir nos modes de consommation actuels ad vitam aeternam ? Est-ce qu'un jour, un avion sans pétrole, enfin sans aucune consommation de pétrole, par exemple, pourrait voir le jour ? Alors effectivement, tu l'as rappelé, la première source sont nos imports, mais la deuxième, en tout cas en France, le deuxième responsable de notre empreinte carbone, c'est le transport. Et du coup, c'est là qu'il faut agir potentiellement en premier si on veut diminuer nos émissions de CO2. Donc, peut-être qu'on peut partir de l'existant. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des moteurs thermiques. Et les moteurs thermiques, en fait, ils ont bénéficié d'améliorations vraiment notables les 10 dernières années et puis même encore avant, enfin tout au long du développement de ce type de technologie-là. Il y a vraiment la recherche continue là-dessus qui améliore grandement les systèmes. Alors le problème, c'est que ça ne se voit pas tellement quand on achète la bagnole. Pourquoi ? Parce que en fait, la complexité des véhicules qu'on utilise, le gain en masse, le gain en fonctionnalité, l'électronique fait qu'on améliore le rendement du moteur d'une part, mais on augmente sa masse d'autre part. Donc globalement, parfois on diminue un petit peu les émissions, parfois on les augmente un petit peu, mais ça se fait une trajectoire de baisse de l'empreinte carbone du parc automobile français, il n'est pas forcément aussi élevé qu'on le souhaiterait. Donc, mais ça c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire que sur la technologie initiale, la technologie thermique, on saurait facilement gagner en émissions en réduisant le poids. Voilà, c'est un peu enfoncer une porte ouverte parce que personne ne le dise, mais néanmoins, ça ne se fait pas forcément beaucoup. Il n'y a pas forcément beaucoup de constructeurs qui nous proposent une 2 chevaux qui fait 2 litres au 100, alors que quelque part, c'est un moyen simple, rapide, de résoudre une partie du problème. Maintenant, c'est grâce aux SUV, c'est sur les SUV qui se font leur marge et depuis 10 ans, c'est potentiellement grâce aux SUV que l'industrie automobile n'a pas coulé. Oui, après les constructeurs nous vendent ce qu'on achète aussi, hein, donc il y a aussi une part de responsabilisation individuelle peut-être à envisager. Je ne sais pas dans quelle mesure. Il faut regarder les choses, mais si on regarde les choses d'un point de vue juste factuel, voilà, un moteur à 2 litres au 100, on saurait faire.
on saurait faire. En moteur thermique à 2300, on saurait faire. Peut-être pour chiffrer ce que tu... c'est intéressant de voir qu'entre 1960 et maintenant, le poids moyen des véhicules a augmenté de 500 kg, voire même un peu plus, qu'on était dans les 700-760 kg dans les années 60 pour le poids moyen, et on est sur, en 2010-2011, sur 1,3 tonne. Alors on est quand même moins que les États-Unis, mais on a eu une augmentation de masse qui est assez énorme. Alors c'est pas que la masse qui joue, c'est aussi la taille et la résistance au frottement, mais c'est quand même assez impressionnant, alors que dans le même temps, comme tu dis, les moteurs thermiques se sont beaucoup améliorés. C'est ça, et puis faut rappeler quand même assez souvent qu'on est quand même dans l'urgence. Enfin, là, on a l'air tranquille quand on en parle, mais l'idée, c'est quand même de trouver des choses qui soient les plus rapidement possibles implémentables. Donc ça, c'est sur l'aspect qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a. Maintenant, sur les choses un petit peu plus... je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle technologie, mais appelons ça comme ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de rendre le transport moins émetteur de CO2. Donc il y a l'électrification, elle est partie à grand renfort de médias et puis de campagne, et c'est ni pour le bien ni pour le mal, hein, c'est juste un fait qui peut effectivement participer à cet aspect-là, si tant est qu'on n'ait pas des chars non plus. Et puis l'électrification pose le problème de la ressource, comment est produite l'électricité. Et souvent, pour être complètement vertueux, ce qu'on essaye de proposer, c'est de l'électricité qui viendrait de sources renouvelables, elle aussi, en tout cas bas carbone. Si on parle de ressources renouvelables, on a l'intermittence qui arrive. Et pour cette intermittence, pour cette relation intermittence d'énergie électrique et puis carburant pour la mobilité, on met souvent en face l'hydrogène, les technologies hydrogène qui pourraient nous permettre donc de nous déplacer sans polluer, puisque l'hydrogène, quand on brûle, on va dire brûler, on émet de l'eau, et donc à l'arrière du véhicule, effectivement, c'est très peu polluant, voire pas polluant. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on délocalise la pollution, elle n'est plus derrière la voiture, mais elle est au niveau de la centrale de production. Maintenant sur cet hydrogène, moi j'ai quand même, c'est pareil, il faut se rendre compte des ordres de grandeur. L'hydrogène, ça peut être une bonne solution, mais je pense qu'il faut regarder ça au cas par cas. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est produit à 60 millions de tonnes par an à peu près. D'accord, c'est principalement produit process, raffinage, engrais, etc. 70 millions de tonnes par an qui sont produits à 95% à partir du gaz naturel. Aujourd'hui, une tonne d'H2, c'est 10 tonnes de CO2 produit. D'accord, donc c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on roule avec de l'hydrogène, on est quand même très très polluant. Pas derrière sa voiture, mais on est quand même très polluant. Imaginons qu'on veuille faire cet hydrogène à partir d'énergie renouvelable intermittente. Dans ce cas-là, pour ces 70 000 tonnes, je crois que c'est entre 3 500 et 4 000 mégawattheures qu'il faudrait produire, d'accord. Et donc ça, c'est plus que la production électrique annuelle de l'Europe, d'accord. Et là, on parle juste de l'hydrogène process. Si on veut faire de l'hydrogène mobile pour la mobilité à 100%, c'est plutôt soit 700 millions de tonnes d'hydrogène qu'il faudrait produire à peu près. Pardon, ça c'est pour la France, Antoine, ou c'est pour l'Europe? Non, ça c'est pour le monde. Ça c'est pour le monde. Mais un facteur, si on peut réduire le facteur à l'échelle de la France, le produit en croix sera à peu près le même. Donc en fait, on fait un ordre de grandeur de plus. En fait, par rapport à la problématique hydrogène aujourd'hui, si on veut le transposer à la mobilité, hydrogène vers la mobilité, c'est 10 fois plus d'hydrogène qu'il faut produire, grosso modo, voire un petit peu plus. Et si on veut que ce soit intermittent, ça nécessite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'installations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc beaucoup, beaucoup de matériaux à extraire des mines, oui. Pour fournir ces équipements de production d'énergie. Des matériaux et de l'emprise au sol, de la place. Peut-être en filigrane aussi de ce que dit Antoine, c'est quelque chose qui est bon de rappeler quand on parle d'hydrogène, c'est que l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie primaire.
C'est un vecteur, parce que l'hydrogène, il y en a très peu dans la nature comme ça. On ne le trouve pas juste sous la forme de dihydrogène. Et donc, souvent, on parle d'énergie d'hydrogène, mais il faut déjà le produire, comme l'a dit Antoine, ce n'est pas une énergie primaire. Donc, il faut toujours garder ça en tête, c'est que ça nécessite dès le départ une conversion. Pour l'instant, c'est à partir du gaz naturel, donc c'est pas terrible. Mais même si on part à partir de l'eau, ça nécessite l'étape électrolyse. Et donc, ça nécessite une première conversion, ce qui veut dire une première perte. C'est important de garder ça en tête pour l'hydrogène. Les deux choses aussi qui ont été dites en filigrane, mais juste pour des chiffres, l'hydrogène, c'est souvent mentionné parce que c'est extrêmement dense au niveau densité massique, donc en quantité de mégajoules par kilogramme. Et c'est très peu en termes de volume, ce qui nécessite de comprimer très fort et de refroidir l'hydrogène pour le liquéfier, ce qui a un coût énergétique aussi. Donc, on a déjà là deux facteurs de conversion, c'est-à-dire deux facteurs de perte en général. Agrocarburant. Oui, vas-y, vas-y. Pardon. Juste une petite correction, c'est des térawattheures et pas des gigawattheures hein, que j'ai cité tout à l'heure. Et effectivement, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur ce que dit Greg, c'est que, encore une fois, je reviens sur mon exemple d'hydrogène procédé et d'hydrogène mobilité. L'hydrogène procédé, on peut se contenter de le fabriquer à 50, 70 bars pour l'utiliser. D'accord? C'est possible. Alors déjà, c'est cher en énergie et c'est cher en coût, parce que l'hydrogène, c'est le gaz le plus dur à comprimer. Mais néanmoins, c'est faisable. S'il faut faire de l'hydrogène mobilité, dans ce cas-là, c'est à 700 bars qu'il faut le comprimer, en raison de sa densité volumique qui est très très faible en énergie. Et donc, comprimer un hydrogène à 700 bars, alors grosso modo, c'est vrai à plus ou moins une vache près, il faut considérer que pour un hydrogène de comprimé, vous en avez, enfin un hydrogène de stocké, vous en avez perdu un pour la compression, en équivalent énergétique. Hein? Donc, juste pour le mettre sous la forme d'être en capacité d'être utilisé pour un moteur, déjà le rendement il est de 50%. Donc on voit là, en fait, c'est comment dire, c'est encore le problème des mobilités 100% quelque chose. Mobilité 100% hydrogène, on voit les contraintes que ça peut apporter. Donc localement, ça peut avoir du sens. À certains moments, ça peut avoir un sens certain. Globaliser ce genre de choses-là, encore une fois, c'est loin d'être évident. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, mais c'est loin d'être évident. On passe sur les agrocarburants. Alors, j'ai dû couper ma vidéo, j'avais un petit souci de bande passante, mais peu importe, vous pouvez faire sans mon visage. Agrocarburant, quel est le potentiel d'agrocarburants de troisième génération, on va dire à base d'algues, puisque ceux de première génération, voilà, on entrait en concurrence avec la nourriture humaine à vouloir faire du carburant à base d'éthanol pour toute la planète, ça mobiliserait trop de terre. Voilà, à base d'algues, on parle de résine de térébenthine. Quel est le potentiel réel, à ton avis, Antoine, de ces sources d'énergie-là? Alors, sur les agrocarburants, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on parle de différentes générations. Il y a, on va dire, trois générations de biocarburants ou d'agrocarburants. Donc, la première consistait à faire de la culture dédiée, je pense à l'huile de colza, par exemple, ou à la betterave, pour faire de l'éthanol ou du biodiesel. Donc là, on a des surfaces de culture dédiées à la production de carburant. Alors, dans certains pays, ça marche relativement bien, mais parfois au prix d'une déforestation assez sévère. Donc, je pense au Brésil, par exemple, qui produit la plupart de son carburant à partir d'éthanol. Hein, il importe assez peu d'essence, ce pays-là. Ça marche quand même beaucoup moins bien quand on est sur une surface assez contrainte et une densité de population assez élevée et qu'on ne veut pas importer toute sa nourriture. Donc, sont nés les agrocarburants de deuxième génération, où là, en fait, l'idée, c'est d'utiliser des déchets forestiers, des déchets agricoles, pour les transformer en biocarburants. Où là, donc, normalement, on n'entre plus en compétition avec la surface alimentaire, et donc c'est bien plus vertueux, mais néanmoins, on a une disponibilité de la ressource qui est moindre, hein, puisqu'on dépend des déchets d'une industrie. Ça, c'est pour la deuxième génération. Et ce qu'on appelle la troisième génération, c'est là, on va carrément délocaliser la surface sur ou un petit peu en dessous de la surface de la mer. Et on parle des algues. Donc là, l'idée, c'est de faire croître des algues qui ont la bonne idée
de produire des lipides en grande quantité. Et donc, ces lipides, on va ensuite les extraire de l'algue et en faire des biocarburants après un traitement. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les biocarburants de première génération, ils s'en produisent aujourd'hui. J'ai parlé du Brésil, mais en France également, l'éthanol, il n'est produit plus que par ça. L'éthanol n'est plus fossile, quasiment essentiellement agricole. Mais on est à peu près au niveau max de la capacité sans aller toucher aux surfaces alimentaires. Donc, il y a un potentiel de croissance sur la deuxième génération et qui pourrait répondre à certains domaines, je pense à l'aviation notamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire voler un avion sur la base d'une technologie électrique, je pense qu'on sera mort, que ça n'existera pas encore. Pourquoi ? Parce que en fait, la densité de stockage électrique des batteries, par exemple, d'autres éléments, c'est très faible. Le composé le plus énergétique par unité de volume, c'est le pétrole, c'est le jet fuel. Et donc là, il y a une opportunité pour produire un carburant qui serait un peu plus vertueux en termes de cycle carbone et continuer à alimenter la flotte aérienne. Voilà. Sur la troisième génération, c'est quelque chose, on va dire, qui est loin d'être évident, qui est très énergivore, et donc au niveau des bilans carbone. Pourquoi c'est énergivore ? Pourquoi c'est énergivore ? Le procédé de fabrication. Les algues poussent très bien. On peut même avoir la bonne idée de leur balancer un petit peu de CO2 pour les faire grandir. Donc, sur le papier, ça semble assez intéressant. Ça utilise des surfaces dont on peut éventuellement se passer si on se sert un peu au niveau des plages et qu'on laisse de la place aux algues pour pousser ou qu'on fait quelques bassins. Le problème principal de cette culture d'algues pour la production de carburant, ça va être l'extraction des composés lipidiques, donc qui vont pouvoir former les huiles et donc le biodiesel, on peut appeler ça comme ça. Pour ensuite l'utiliser dans la mobilité, c'est l'extraction. Donc, extraire ces composés lipidiques de ces algues peut être extrêmement coûteux au niveau du procédé, coûteux au niveau économique et puis coûteux au niveau énergétique. C'est toujours dur d'extraire, c'est toujours très dépensier en termes d'énergie de séparer des choses, d'extraire. D'accord ? Donc, plus on est pur, ce qui est le cas du pétrole, plus c'est facile à utiliser, moins c'est cher à utiliser. Plus c'est mélangé, plus c'est compacté. Là, on a des lipides qui sont dans des cellules qu'il faut casser, qu'il faut extraire, qu'il faut presser, qu'il faut filtrer, qu'il faut etc. etc. Et là, c'est un problème particulier c'est un enjeu qui est regardé au niveau des laboratoires. Hein, mais aujourd'hui, je pense que ça n'arrivera pas demain. Sur la mobilité, je conclurai bien là-dessus. Donc, je pense qu'une bonne moitié ou au moins 40% du pétrole consommé dans les transports, c'est pour les voitures. Et il y a une part quasi équivalente, peut-être un tout petit peu moins, mais que ce soit à l'échelle de la France ou dans le monde, par les camions, donc le transport de marchandises. Quel est le potentiel ? Est-ce que c'est réaliste d'un point de vue physique de se dire qu'on va faire rouler des camions électriques ou des camions à base d'hydrogène ou des camions à base d'agrocarburant ? Je ne sais pas si c'est pour moi la question ou pas, mais si c'est pour moi, la réponse, elle est oui et non. Enfin, encore une fois, une solution globalisée, remplacer toute la flotte de camions par des camions hydrogène ou des camions biofuel. Il faut bien se rendre compte des ordres de grandeur. Il suffit de regarder, d'aller chercher dans des rapports assez bien documentés les ordres de grandeur des consommations et donc ce qu'il faudrait en face. On n'est pas en adéquation. Donc en fait, on peut trouver un lot de différentes technologies, un moteur thermique à très bon rendement et sur des véhicules très légers. Des flottes à hydrogène quand le volume n'est pas un problème, typiquement sur les gros tankers, les gros bateaux, bon, ben, peut-être qu'utiliser un peu de volume du bateau pour l'hydrogène, c'est pas forcément embêtant. Des biocarburants pour les avions, ben, pourquoi pas, dans la limite des ressources disponibles en déchets, ça peut être envisageable.
Moi, je pense qu'on est sur un mix de solutions alternatives qui ne seront de toute façon pour aucune plus simples que celles qui sont utilisées aujourd'hui. Et peut-être Greg, pour… Oui, là-dessus, tu me disais un jour, Greg, que voilà, le poids de la batterie qui serait nécessaire pour faire rouler un camion est tel que le camion dépenserait beaucoup trop d'énergie rien que pour se transporter lui-même. Ouais, alors on cite souvent cet exemple-là pour l'aviation, ouais, parce que comme quand Antoine l'a mentionné, la densité d'énergie d'une batterie, c'est au moins 10-50 fois plus faible que celle du pétrole. Donc si on imagine un avion électrique, il y a forte chance qu'il ait à peu près la même taille que l'avion derrière, juste en batterie, ce qui rend les choses un peu plus compliquées, même si j'avais vu des concepts hein, comme ça, de sorte de double avion hein, qui transporte les batteries, hein, qui transporte l'avion, bon, on peut voir. Mais c'est avec du fuel du coup. Ouais, donc c'est la question, c'est comment tu le fais voler, c'est toujours la même chose, mais ça, ce que tu disais amène quand même vraiment cette notion de densité en fait, dont on n'a pas toujours conscience. On en a parlé un peu, mais quand on parle de transport, en fait, c'est là qu'on voit qu'on entre dans un système qui va être contraint, parce que les transports, comme on les utilise à l'heure actuelle, reposent sur un carburant qui est extrêmement dense en quantité d'énergie. Et c'est pas évident de le changer. On parlait tout à l'heure de l'impact des émissions dues aux importations. Le fait qu'on ait pu se développer de la façon dont on le fait, c'est l'invention du moteur diesel, donc le cycle diesel, pas le carburant, et les containers. On transporte énormément de matière par container. Ça coûte rien, ça coûte absolument rien, pour l'instant du moins. Faire la même chose avec un autre carburant, bah, c'est loin d'être évident. Parce qu'on a un problème de masse. Alors pour un bateau, c'est peut-être un peu moins embêtant, mais ça réduira quand même la capacité du bateau, à moins qu'on les fasse encore plus gros. Pour ce qui est transport sur la route, on voit bien que les voitures ont des autonomies beaucoup plus faibles, les voitures électriques, pardon, des autonomies beaucoup plus faibles qu'une voiture thermique. Alors on peut parler de Tesla, ou même des nouvelles voitures qui commencent à avoir des autonomies de 400 km, voire plus, mais c'est au prix d'une quantité de batteries et de matériaux énormes. Alors principalement parce que ces voitures-là sont très grosses, si elles étaient plus légères, on pourrait en parler différemment. Mais ça reste quand même une limite physique dans ce cas-là qui est extrêmement dure à contourner. Et je pense que les transports, c'est peut-être un des domaines les plus difficiles à décarboner, surtout si on parle de transport longue distance, parce qu'on n'a pour l'instant pas d'alternative à ce que pourrait faire le diesel ou le fuel pour les avions. Alors, passons peut-être à l'industrie, si vous le voulez bien, ou peut-être accélérer un peu. Qui peut, même si on aimerait parler des heures de chacun de ces sujets. Mais sur l'industrie, alors pour ce qu'il en reste en France, mais on pourrait dérouler des exemples, soit autour de l'acier ou du ciment, pour voir quels sont déjà les success stories qui ont pu exister par le passé et à reproduire. Peut-être avant cela, une solution qui est quand même souvent avancée et qui donne plus ou moins d'espoir, c'est le captage du CO2. C'est une technologie, Antoine, que tu as étudiée. Qu'est-ce que tu en penses et quel est son potentiel pour réduire les émissions de CO2 de l'industrie, que ce soit en France ou dans le monde? Alors, il y a plusieurs choses à évoquer quand on parle du captage du CO2. Déjà, il y a un truc important qu'il faut noter, c'est que le captage du CO2, il peut prendre du sens la plupart du temps quand on le considère à partir d'une source concentrée de CO2. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas question de mettre un petit module en sortie de chacun des véhicules pour aller récupérer ce CO2 et l'utiliser ou le stocker, peu importe. Par contre, sur les grosses productions type centrale à charbon, où là, on a des flux conséquents, massifs et de gaz très concentrés en CO2, ce type de technologie prend un sens. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est que cette technologie, elle a quelques détracteurs, puisque, et je ne juge pas, je ne dis pas si c'est à raison ou à tort, puisqu'en fait, ces détracteurs disent, oui, mais si on fait ça, ça incite à consommer plus, finalement, à rester dans le business as usual, ça met la poussière sous le tapis. C'est pas complètement faux, c'est certain, mais maintenant, face à l'urgence dont on a parlé de diminuer ses émissions, c'est peut-être quand même quelque chose à considérer, puisque ce sont des technologies qui existent. Vous allez chez un licencieur, vous avez une centrale à charbon, vous allez chez un licencieur de technologie, vous pouvez demain ou après-demain, c'est un petit peu de temps à construire, développer ce type de méthode-là. Donc, en fait, en quoi ça consiste, ce captage du CO2? C'est qu'on a un gaz issu de la combustion d'un hydrocarbure qui est très riche en CO2.
qu'on va faire passer dans un liquide qui va l'absorber, d'accord, et laisser passer le reste. Ce liquide, ensuite, il est régénéré. Donc, là, on le chauffe un petit peu, ça a un coût énergétique. Hein, donc, ce n'est pas gratuit de faire ça, ce n'est pas gratuit en termes énergétiques de le faire. Et ce CO2, une fois le solvant chauffé, et peut être stocké seul dans un coin, et ensuite on voit ce qu'on en fait. Donc on a des stockages géologiques, on a d'autres types de stockages, mais c'est de ça dont on parle. Moi, je pense que ce type de technologie prend sens particulièrement dans les industries où le CO2 est inévitable. On peut envisager sur certains types d'industries d'électrifier le parc, et donc avec un mix électrique plutôt bas carbone, arriver à s'en sortir comme ça. Maintenant, je prends l'exemple du ciment. Quand on fait du ciment de manière intrinsèque, le ciment, c'est du CaCO3. Hein, donc, dans CO3, il y a un petit peu de CO2 là-dedans. Et donc, intrinsèquement, quand on produit du ciment, il y a du CO2 dans le matériau à la base. Donc, le fait de le chauffer nous fait émettre du CO2, même si on ne considère pas le process. Donc là, si on veut décarboner typiquement ce genre d'industrie-là, en passer par là peut être une idée pas trop délirante et relativement facilement implémentable. Voilà. J'essaie de faire court. Hein. Ah, bien sûr. Greg, y a-t-il des exemples de décarbonation dans l'industrie que tu trouves particulièrement encourageante? Tu as mentionné l'acier, qui est un domaine qu'on cite souvent, parce que d'une, il y a eu des progrès assez radicaux faits, même s'il reste encore énormément à faire. Peut-être pour rebondir d'abord, Antoine a parlé de ciment. Là, on parle d'acier, on peut se dire, c'est un peu des matériaux du passé, on n'en a plus besoin. En fait, il faut garder en tête qu'on utilise plus de béton et de ciment et d'acier à l'heure actuelle qu'on ne l'a jamais fait, et c'est loin d'être en baisse. Donc, ça reste les matériaux de base dont on a besoin pour toute industrie. Alors, au moins pour l'acier, on n'en produit plus beaucoup en France, mais on en a quand même besoin énormément. Donc, on pourrait même discuter de relocaliser. Pour de l'acier, on a besoin de charbon. On utilise du coke. Donc, on part d'un minerai de fer qui contient de l'oxygène. On a besoin de le réduire. On utilise du charbon. Et donc, en ordre de grandeur, on va dire entre 1 ou 2 tonnes de CO2 émises par tonne d'acier produite. Ça s'est beaucoup amélioré, le process a fait beaucoup de progrès pour limiter la quantité de charbon qu'on utilise, mais ça reste comme pour le ciment, quelque chose d'intrinsèque. Sauf que pour l'acier, on peut utiliser d'autres méthodes. On pourrait penser à utiliser l'hydrogène pour réduire le minerai de fer, par exemple, qui nécessite, alors si l'hydrogène est propre, on en a parlé tout à l'heure, ou du moins si l'hydrogène, la production d'hydrogène est décarbonée, propre n'est pas le mot, ça pourrait être une solution. Il y a aussi le recyclage de l'acier qui se développe extrêmement fort, même si seulement 25% de l'acier qu'on utilise est en fait recyclé, et là on recycle dans les fours électriques. Donc si on a une production électrique décarbonée, eh ben, on est sur quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on diminue fortement la quantité de CO2 qu'on émet. Par contre, comme on a toujours besoin de plus d'acier, on a toujours besoin de plus de minerais de fer à la base, et donc ça, c'est quand même assez difficile. Mais là encore, ce qui est important, c'est des problèmes de volume. On produit dans le monde 1,6 milliard de tonnes d'acier, 75% ça part de la fonte, donc c'est du minerai de fer brut, donc c'est de l'acier qu'on rajoute dans le système, et on, à l'heure actuelle, produire autant d'acier, c'est vrai pour le ciment aussi, sans émettre de CO2, on ne peut pas faire à l'échelle. On ne peut pas passer de là où on est à l'heure actuelle à produire autant d'acier sans émettre de CO2. Donc il y a beaucoup de progrès et on peut en faire énormément, mais c'est pareil, il y a une question de temps. Et plus la quantité d'acier qu'on utilise va augmenter, plus c'est difficile en fait de se battre contre ça. Mais on peut citer qu'il y a des choses, par exemple dans les pays nordiques, je crois que c'est la Suède, un programme assez ambitieux d'acierie basé seulement sur l'hydrogène. ThyssenKrupp aussi en Allemagne. Donc il y a beaucoup de développement, mais la question c'est à quelle vitesse ces développements peuvent aller pour vraiment être efficace. Et peut-être un chiffre dans le monde, 50% des émissions de CO2 sont dues à l'industrie pour la production d'acier, de ciment et d'aluminium. Donc c'est des choses qui sont extrêmement, enfin, c'est des gros, on parle de très gros volumes et vraiment des leviers d'action assez importants. Merci. Est-ce qu'on passe à la transformation de l'énergie, qui est le troisième et dernier secteur qu'on voulait aborder, sachant qu'on aimerait aller au fond de chaque chose, mais là on est plutôt en train de mettre les gens en appétit.
pour aller plus loin sur ces différents sujets. Alors, je vous laisse libre de voir sur les innombrables technologies potentielles plus ou moins émergentes et matures de transformation de l'énergie, celles que vous voudriez aborder. Enfin, on peut penser à la pompe à chaleur, le solaire thermique, l'énergie de fusion. Voilà, peut-être Antoine, je te laisse démarrer là-dessus. Allez. Écoute, moi j'ai envie de focaliser sur un point sur le solaire. Et en fait, aujourd'hui, on connaît le solaire particulièrement par la voie de solaire électrique, un petit peu par la voie de solaire thermique, et il y a d'autres voies également qui sont proposées, enfin qui sont à l'étude, qui sont qu'on appelle solar fuel, qui sont là la production directe de carburant, de solar fuel, de carburant solaire, à partir de l'énergie solaire. En fait, globalement, c'est reproduire ce que fait la nature, ce que fait un arbre, sauf qu'au lieu de faire un arbre, eh bien, on fait quelque chose et on en fait un vecteur énergétique à consommer et à brûler. Je veux faire un focus sur le solaire parce que ce qui est intéressant dans le solaire, c'est qu'effectivement, parmi les énergies dites renouvelables, on est face là à une quantité d'énergie qui nous arrive sur Terre qui pourrait être à même d'être de répondre à un besoin conséquent en énergie. Il y a quand même beaucoup d'irradiance solaire et de photons qui arrivent à la surface de la Terre. Donc ça, c'est quand même un point à mettre à l'avantage de ce type de ressources. Le problème de cette ressource, c'est qu'elle est diffuse, on l'a dit au tout départ. Alors, du coup, pour moi, ces technologies solaires, il faut les considérer vraiment dans le calme, parce qu'il y a quand même beaucoup de débats là-dessus, il y a quand même beaucoup de passion, je trouve, sur ces aspects-là. Et là, sans passion, je vais mettre juste un ordre de grandeur pour qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, on parle de remplacer la centrale de Fessenheim, hein, qui fait à peu près 1,8 gigawatts, si je ne dis pas de bêtises. On pourrait parler d'une centrale à charbon, on sera à peu près dans les mêmes gammes de grandeur. Parlons de remplacer une centrale nucléaire ou à charbon par de l'énergie solaire, quelle qu'elle soit. Le soleil qui nous arrive à la surface de la Terre, c'est à peu près 150 watts par mètre carré. C'est pas beaucoup, j'ai dit avant, c'est diffus. Si on prend cette valeur-là, ça veut dire que pour remplacer un Fessenheim, un 1,8 gigawatt, il nous faut à peu près 12 km², 1200 hectares, si on considère qu'on récupère 100% de l'énergie. Fessenheim, c'est sur 100 hectares, ou une centrale à charbon, ça va être sur 100-200 hectares également. D'accord ? C'est 12 km², sachant que si on considère le rendement des cellules qui est de 10%, et puis le facteur de charge qui oscille à peu près à 10% également, allez, prenons 10-20%, ça veut dire qu'il nous faut en gros 600 km² pour remplacer une centrale thermique ou nucléaire de ce type de taille-là. 600 km², c'est à peu près le lac Léman. Voilà. Donc, quand on pose ce genre de choses-là, je trouve ça intéressant. Je pense que l'énergie solaire, c'est quelque chose à aller chercher. Les solar fuels, c'est quelque chose dont on croit beaucoup, donc c'est-à-dire produire directement des carburants à partir du soleil. Ce n'est pas tout de suite, c'est encore au labo pour 30 ans. Mais il faut quand même bien garder en tête ces aspects-là, sur ces aspects de conversion de l'énergie. La surface, elle va être de premier ordre. Et remplacer une centrale, c'est le lac Léman. Voilà. Ça amène, si je peux rebondir, ça amène le concept dont je l'aime bien parler, qui est la densité de puissance. En fait, c'est exactement ce dont Antoine parle. C'est combien de watts on peut produire par mètre carré de surface verticale utilisée. C'est-à-dire, en gros, ça quantifie l'empreinte au sol. Et malheureusement, on est sur une trajectoire où la densité de puissance des énergies fossiles est extrêmement élevée. Typiquement, dans l'ordre de la centaine, voire du kilowattheure par mètre carré. Donc, on a une infrastructure énergétique extrêmement compacte à l'heure actuelle. On ne s'en rend pas forcément beaucoup compte. Mais notre infrastructure énergétique prend assez peu de place. Et si on veut passer sur d'autres types de technologies qui sont plus diffuses,
Le solaire, Antoine l'a mentionné, on est de l'ordre de 10 à 50 watts par mètre carré. L'éolien, on est beaucoup plus bas, on est plus proche de 1 à 5 watts par mètre carré. Donc, on voit tout de suite qu'on prend plus d'espace. Alors, c'est tout de suite quelque chose où les gens sont passionnés en disant, ah oui, mais on peut faire autre chose entre deux panneaux solaires ou entre des éoliennes, et c'est potentiellement vrai. Mais ça reste quand même un problème d'empreinte au sol. Et un petit truc que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'une des raisons majeures de la baisse de la biodiversité, c'est notre impact sur l'environnement, c'est le fait qu'il n'y a plus d'espace sauvage. Et donc, il faut quand même qu'on réfléchisse sérieusement à l'empreinte en termes d'espace qu'on a. C'est pas seulement en termes de ressources, mais aussi en termes d'espace. Et Antoine, l'exemple d'Antoine est assez parlant là-dessus, sur la quantité d'espace qu'on veut utiliser. Et l'autre chose, en fait, comme on parle de la France, c'est important peut-être aussi de remettre une ou deux choses en place, c'est que en France, on a l'avantage d'avoir une énergie assez décarbonée. Alors, on peut ne pas aimer la façon qu'on a de produire de l'électricité en France. On peut être contre le nucléaire si on veut. Mais c'est quand même assez étrange, et Antoine l'a dit, les discussions sont extrêmement passionnées. C'est toujours assez. Moi, ça ne m'est pas toujours que les discussions soient aussi passionnées. Tout le monde a le même objectif, mais personne ne veut y aller de la même façon. En France, c'est quand même assez étrange de parler et de remplacer ce qu'on a déjà. On devrait déjà décarboner tout ce qui devrait l'être. Donc, on a parlé de transport, industrie, isolation des bâtiments. C'est plutôt là qu'on devrait taper en premier. Et si on n'aime pas le nucléaire, ben, une fois qu'on s'est occupé de ces points-là, on peut discuter par quoi on remplace le nucléaire pour faire autre chose. Mais on se rajoute en fait, en fermant des choses qui existent déjà, qui sont à bas carbone, on se rajoute une contrainte supplémentaire, contrainte qui est difficile à compenser justement parce que par ces problèmes de densité de puissance, le nucléaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une façon très concentrée de produire de l'énergie et c'est quasiment imbattable en termes de densité de puissance. Donc il faut aussi toujours bien penser au nombre de contraintes qu'on se rajoute. On l'a dit plusieurs fois, la décarbonation, c'est déjà un défi qui est énorme, c'est déjà une falaise à sauter. Autant essayer de ne pas se rajouter des contraintes supplémentaires qui rendront les choses encore plus difficiles. Donc c'est aussi une question de pragmatisme et de priorité. Qu'est-ce qu'on veut en priorité? Est-ce qu'on veut se débarrasser de quelque chose ou développer quelque chose ou est-ce qu'on veut atteindre la neutralité carbone? Le nucléaire est une. Alors, de toute façon, il n'y a pas d'énergie parfaitement propre. Donc, le nucléaire aussi repose sur l'extraction de mines d'uranium avec une certaine empreinte. C'est néanmoins, parce que je voulais parler aussi, il y a pas seulement l'emprise au sol des équipements de production, mais l'impact sur les sols et les écosystèmes de l'extraction des matériaux nécessaires pour produire ces équipements. Et effectivement, moyens de production d'énergie diffuse, forcément, vont mobiliser plus de matériaux qu'il va bien falloir extraire. Puis, bon, le fait que la France est relativement souveraine et autosuffisante sur le nucléaire, sachant que dans le prix ou le coût final du kilowattheure, c'est à peu près l'uranium importé coûte à peu près 2%. Donc effectivement, s'attaquer à ça, pour la je suis d'accord, ça ne semble pas être une grosse priorité. Tu soulèves aussi, Greg, par ce commentaire-là, un peu les priorités qu'on se fixe et les modèles de société qu'on veut. C'est le dernier point de notre échange. Alors, sans sortir trop de votre rôle de chercheur, mais en tant que citoyen, vous avez un avis sur à quel modèle de société on peut aspirer. Dans l'exposé qu'on a fait, un peu le tour d'horizon des technologies, on voit qu'il y a du potentiel, il y a des freins. Je ne peux m'empêcher de me dire en vous écoutant que toutes ces technologies, hydrogène, mobilité électrique, agrocarburant, enfin, pourquoi pas, mais pas forcément avec nos niveaux de consommation actuels. Penser qu'on va remplacer entièrement nos niveaux de consommation actuels par des moyens bas carbone, intermittent et ou diffus, semble être un doux rêve, malheureusement. Est-ce que ça appelle à un autre modèle de société, selon vous? Et aussi, plus dans votre rôle de chercheur, quels sont les moyens techniques à mettre en avant pour gagner en efficacité et en sobriété énergétique? Quel cap on se fixe là-dessus? Et je vous invite à vous prononcer non seulement à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle d'un territoire, une région ou un département ou une commune, peu importe. Sur finalement comment on fait cette transition. Je suis la France ou je suis tel département, comment je procède? On va peut-être commencer par Grégory et puis après Antoine pour on va dire ce chapitre conclusif de notre échange.
C'est une question assez vaste et quand on commence à dire comment on fait, c'est facile de tomber, il est facile de tomber dans le yaka faucon. Je vais juste commencer en fait par resituer un peu les choses encore une fois. Comme on l'a mentionné plusieurs fois, penser qu'on va faire 100% ci ou 100% ça, c'est un doux rêve. D'une, parce qu'on ne l'a jamais fait en fait. Hein, on a beau se baser sur des énergies fossiles, en fait, on les utilise sous différentes formes. Donc on n'a jamais, et même quand on parlait de biomasse il y a 250 ans, ce n'était pas toute la même forme de bois ou toute la même forme de paille ou de choses comme ça qui étaient utilisées. Donc il faut toujours penser aussi, quand on parle de 100%, même ceux qui pensent que le nucléaire c'est parfait, ben, 100% nucléaire c'est pas possible parce que ça veut dire 100% électricité et on n'a pas une société 100% électrique. Donc c'est la première chose à garder en tête. Mon opinion personnelle, je ne suis clairement pas le seul, c'est que on ne pourra pas continuer sur la trajectoire sur laquelle on est, c'est-à-dire utiliser toujours plus d'énergie et transitionner vers des énergies bas carbone, du moins pas dans les échelles de temps qui nous sont données. Donc si on parle des 30 prochaines années, sachant qu'une grande partie de la population n'a pas accès à la même quantité d'énergie que nous dans les pays développés, parce qu'on a la chance de pouvoir discuter là sur YouTube. Si on avait pu, on aurait pris le train pour discuter ensemble. Pour une grande partie de la population, ce n'est pas le cas. Le modèle de développement étant tel que plus on consomme d'énergie, plus on a de PIB, bien, tout le monde veut consommer plus d'énergie. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'on utilise l'énergie de façon rationnelle ? C'est-à-dire avant de penser à en produire toujours plus, à en produire différemment. La question, c'est de voir est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser les ressources qui sont à notre disposition et qui sont en diminution, est-ce qu'on les utilise vraiment de façon intelligente ? Des exemples très provocants, hein, prendre l'avion pour aller passer un week-end à droite ou à gauche, ou prendre sa voiture pour aller au supermarché qui est juste à côté, ça peut paraître des petits gestes, mais c'est totalement irrationnel au niveau énergétique. Et ça revient à ce que je disais au tout début, c'est notre aveuglement. En fait, on n'a pas conscience de la quantité d'énergie qu'on mobilise. Et donc, je pense à l'échelle, que ce soit à l'échelle locale ou l'échelle individuelle, déjà, la première chose, ça serait d'essayer de quantifier la quantité d'énergie que les gens utilisent et que les gens regardent vraiment ce qu'ils mobilisent tous les jours. C'est assez effrayant quand on le fait, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des gros leviers d'action. Pour le rôle des scientifiques, je pense que la crise du Covid a remis un peu sur le devant de la scène le rôle des scientifiques. On a entendu plusieurs fois des gens du gouvernement dire qu'ils s'appuyaient sur des experts scientifiques ou des experts techniques. Alors, il ne faut pas croire que les chercheurs sont tous d'accord, malheureusement, c'est pas malheureusement, mais ça reste de la recherche, donc chacun va avoir sa vision, mais il est possible de faire une synthèse, et ça vaut quand même le coup de prendre en compte ce que les gens disent au niveau de ce que la physique nous dit, de ce qui est possible au niveau des matériaux, des ressources, etc. Je pense que c'est la première chose aussi dans une politique énergétique, c'est d'être réaliste et de ne pas vendre du rêve. Et quelque chose que je trouve toujours assez frappant, c'est quand on parle des accords de Paris, par exemple, ou de la COP21, c'est assez peu clair de savoir comment les pays vont arriver à la neutralité carbone. Même en France, on n'a quand même pas une trajectoire qui est extrêmement claire, même en lisant les rapports de la PPE, etc. Et c'est aussi une question, c'est est-ce que tout ça, Jean Covici a souvent tendance à parler de règle de 3, Antoine en a parlé aussi, c'est un peu ça, est-ce que vraiment rien que ça paraît logique ? Et il faut aussi regarder ce qu'on utilise en remplacement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On parlait par exemple de voitures électriques. Tout dépend de d'où vient l'électricité. Donc en France, elle est plutôt décarbonée, donc c'est pas mal. Mais une Renault Zoé, les batteries sont produites en Pologne, donc à l'énergie, à l'électricité qui est produite au charbon. Donc ça impacte vachement le bilan carbone de ce qu'on fait. Et c'est toutes des choses qui sont liées, en fait, et c'est assez compliqué. Donc, on parle vraiment, on a parlé d'industrie et de relocalisation, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, à mon avis, le premier levier d'action, c'est déjà ça, c'est diminuer la base, c'est diminuer la quantité d'énergie qu'on va avoir utilisée, parce que ça permet de transitionner plus rapidement, entre guillemets. Et deux, c'est un aspect plus moral, à mon avis, c'est qu'il faut montrer l'exemple. En fait, on ne peut pas attendre que les Chinois et les Indiens décident d'avoir une trajectoire plus sobre si nous, de notre côté, on ne montre pas l'exemple. Et en plus, ils utilisent déjà beaucoup moins d'énergie que nous. Donc, les pays développés comme nous, alors en France, on est encore plutôt bon élève, mais on a beaucoup de progrès à faire. Si on regarde les États-Unis ou le Canada, c'est assez effarant. Il va falloir sérieusement qu'on montre l'exemple et qu'on diminue notre quantité d'énergie utilisée. Ce sera le seul moyen pour pouvoir essayer de convaincre les autres de passer à autre chose que du charbon, par exemple. Antoine ? Oui, alors,
Écoute, c'est toujours assez difficile de. Enfin, c'est toujours plus facile de faire un constat des choses qui ne vont pas que de proposer des choses à faire. Non, mais après, il y a. Effectivement, il y a des choses qui semblent aller. Qui semblent relever du bon sens. Et Greg l'a souligné, c'est en fait dans, parmi tout ce qu'on a cité. Globalement, la sobriété, on va pas y échapper et je pense qu'il faut la désirer. Elle n'est pas forcément si évidente que ça, hein, parce qu'elle a des impacts, elle a des impacts sociétaux, elle a des impacts sur les emplois, des impacts sur la richesse. Donc ça, c'est des choses qu'il faut accompagner, qu'il faut anticiper. Mais du coup, en fait, quelque part là-dedans, moi je pense que il y a un prérequis à ça, c'est qu'on doit être en capacité au niveau de l'État à faire de la planification. En fait, on ne peut pas, pour un sujet aussi difficile que celui-là, parfois passionnel et qui peut avoir autant d'impact, être dans une temporalité qui est équivalente à celle de la décision politique, qui peut changer à peu près tous les 2 ans, voire même de manière un peu plus fréquente. Il faut une espèce de... Il faut une vision long terme qui implique une planification. Donc parfois, c'est un gros mot de dire ça. Mais je pense que pour des sujets aussi importants, on peut pas passer outre ce type de réflexion ou ce type de mise en œuvre. Bon, après, au niveau de la, si on se met au niveau de la France, moi, je dirais qu'il y a quand même des choses. Enfin, voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Mais si on parle de modèle de société, on n'a pas parlé au niveau technique. Hein, mais tu l'as cité, Cyrus, c'est que 40% de nos émissions sont des... émissions externes, finalement, des choses qu'on achète, qui sont produites ailleurs. Alors, un truc à savoir, c'est que ce n'est pas forcément le transport qui est si polluant que ça, puisque c'est tout mutualisé sur des bateaux énormes et que finalement, par unité de petites balles rebondissantes fabriquées en Chine que vous pourrez acheter, ça ne va pas être très, très, très émetteur. Mais c'est plutôt la production, en fait, de cette chose que vous allez acheter et qui va tant vous plaire, qui est problématique. Donc, à mon avis, il y a une réflexion quand même individuelle qu'on doit élaborer chacun à notre échelle là-dessus. Je pense qu'on met souvent le doigt sur la responsabilité des entreprises, la responsabilité des États. Mais moi, je fais partie de ceux qui considèrent quand même qu'il n'y a personne qui nous met un pistolet sur la tempe avant d'acheter quelque chose. Il n'y a personne qui fait ça. On achète de notre propre chef, de notre propre gré. Peut-être qu'il y a quand même des choses à considérer, à reconsidérer de manière individuelle et pas juste ne pas oublier de fermer l'eau quand on se brosse les dents. Après, il y a des choses peut-être, alors c'est pas forcément, comment dire ça, peut-être si on va au niveau du territoire, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, notamment au niveau des agrocarburants, au niveau des territoires. Je pense qu'on peut promouvoir des gestions énergétiques issus des déchets beaucoup plus facilement qu'à l'échelle nationale, puisque en fait tout ce qui est production de carburant issu de la biomasse, il y a une nécessité pour que ce soit vertueux, pour que le chemin que parcourent les produits qu'on va convertir ne soit pas trop long. Sinon, on émet plus de CO2 qu'on en a formé. Donc ça peut être bien. Et sinon, je pense qu'il y a aussi une action assez importante à faire au niveau des dessertes locales. Je pense au niveau des transports, on a forcément des choses à faire. Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Pardon. T'inquiète pas. Petit contretemps technique. Voilà, donc je disais que je pense qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose au niveau des dessertes locales, favoriser les transports en commun au niveau local. Et là, à mon avis, c'est l'échelle la plus pertinente à la faire, pour la faire. Et puis voilà, je pense que je ne vais pas forcément m'étendre plus que ça. J'ai été un petit peu perturbé dans mon élan. Je vais peut-être conclure. Juste peut-être pour conclure là-dessus. Donc, moi, un des premiers leviers sur lesquels il faut réfléchir, c'est la sobriété. Je pense que la recherche, pour reparler du rôle de la recherche, peut-être que c'est un volet sur lequel on ne s'est pas forcément assez attelé dans les années précédente, et que c'est une voie d'amélioration technologique peut-être important. Et puis peut-être pour terminer, j'ai un message pour les technophiles, parce qu'il y a quand même des gens qui croient vraiment qu'on va sauver le monde avec la technologie. Donc pour les technophiles, moi je dirais faites attention, on n'est pas des magiciens, c'est la physique qui gère le monde, c'est pas la magie. Et puis pour ceux qui sont technophobes,
parce qu'ils existent aussi. Et je leur dis merci d'exister parce que c'est challenging pour nous et ça permet de structurer notre pensée, notre réflexion. Donc, continuez à nous challenger. Voilà. Voilà, je voulais juste en fait rebondir sur la sobriété, c'est un point important et on a toujours souvent tendance à mentionner ça comme un quelque chose de négatif et la sobriété, c'est un peu comme résilience, c'est des termes qui sont très connotés, donc selon à qui on parle, ça peut être compliqué. Il faut déjà voir tout ce qu'on gâche. Si on parle vraiment de nourriture, on estime dans le monde que 30% de la nourriture produite est jetée. On a parlé de production de gaz naturel, mais il faut par exemple de l'ammoniac pour produire des engrais. On jette énormément de choses, donc c'est déjà aussi des choses qui pourraient être améliorées quand même très largement sans effort surhumain. Et pour le rôle de la recherche, je crois que ouais, Antoine l'a bien mentionné, c'est pas de la magie, on utilise les lois de la physique et on les développe au mieux. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de considérer aussi que la recherche deviennent un petit peu plus transverses. La recherche est devenue extrêmement spécialiste. Enfin, quand on est expert dans un domaine, on est expert dans un domaine où pas une centaine de personnes savent exactement de quoi on parle. Je caricature un peu, mais c'est un peu vrai quand on va vraiment dans les choses très pointues. Plus c'est pointu, moins il y a de gens qui comprennent vraiment de quoi on parle. Et en fait, il faudrait aussi penser à un peu plus en transverse, c'est-à-dire quand on développe quelque chose, qu'on regarde aussi quel impact ça pourrait avoir sur les usages, comment on fait pour changer les usages. Par exemple, les sciences sociales peuvent amener énormément là-dessus sur nos comportements, comment on fait pour ne pas avoir envie d'acheter quelque chose tous les 6 mois ou tous les ans. Ça, c'est des choses où il y a des initiatives qui se lancent un peu partout pour faire des centres de recherche transverses ou multi-domaines qui sont assez importants parce que du coup ça répond un peu à cette question du technophile technophobe, quelles sont les limites de la technologie, comment elle s'intègre et comment elle s'intègre dans un modèle de société qui pourrait faire envie aussi, parce que c'est aussi souvent quelque chose qu'on oublie. On parle de décroissance. Alors, certaines personnes disent « Ah oui, il faut la décroissance ». Pour une grande partie, ce n'est quand même pas super enviable, surtout quand votre boulot en dépend. Si on commence à parler de décroissance et que vous êtes menacé de perdre votre emploi, évidemment, c'est moins facile d'être enthousiaste. Et je pense que c'est un peu une sorte de transversalité, d'éviter les effets silos et d'avoir une sorte de modèle de société complet et pas seulement de choses compartimentées. Et on a parlé beaucoup d'énergie et c'est souvent comme ça que ça se passe. On va parler d'un domaine particulier, c'est normal parce que c'est le domaine qu'on connaît le plus, mais il ne faut pas oublier que c'est qu'une partie en fait de la problématique et qu'il faut faire en sorte d'avoir une vision globale et de faire en sorte que l'ensemble en fait change, parce que sinon on sait très bien que si on augmente l'efficacité énergétique de quelque chose, ce qui se passe, c'est un effet rebond, on en a parlé pour les voitures, et donc on n'a rien changé, en fait, voire parfois pire, on a amélioré un process, et en fait, on utilise beaucoup plus d'énergie au total. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important aussi de garder en tête. Merci beaucoup, messieurs. Pour une note d'optimisme, on pourrait dire quand même que aujourd'hui, la France consomme de l'ordre de 15% de pétrole en moins qu'il y a une douzaine d'années. Pour des raisons multiples, on peut dire qu'on a un peu délocalisé notre industrie et que du coup, on peut dire les flux logistiques, camions, voitures, etc., qui tournent autour de l'industrie ont un peu baissé. Néanmoins, il y a eu du progrès sur l'efficacité thermique des voitures et il y a eu aussi des remplacements de chaudières fuel par des chaudières principalement électrique. Donc, on voit quand même qu'on est capable petit à petit de réduire nos consommations. Certes, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les 15 premiers pourcents que les 50, 60, 80% qui suivent. Mais voilà, il y a des, sans forcément trop nuire à notre confort de vie, on peut effectivement identifier des gaspillages. Tu as cité les gaspillages alimentaires, mais aussi effectivement, est-il besoin de conduire des voitures aussi lourdes? Est-il aussi besoin de se déplacer autant? Quand on voit que le télétravail est encore, on voit bien en ce moment qu'on peut le pratiquer davantage. Donc effectivement, il y a à jouer sur ces leviers de modèle de société, de mode de vie, sans que les choses soient trop pénibles. On parle de circuits courts, effectivement, qui pourraient aussi réduire les distances de transport en camion. Donc je pense déjà de quoi faire pour aller chercher au moins un bon tiers, si ce n'est une moitié de notre consommation d'énergie, sans trop se rendre la vie plus pénible. Merci beaucoup hein, tous les deux, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'espère que nos auditeurs aussi. Je voulais peut-être dire des mots de conclusion avant de clore. Si vous avez
une phrase à dire à ceux qui nous écoutent. Toi, le mot de la fin, puis Grégory. Le mot de la fin, c'est extrêmement difficile, le mot de la fin. Non, mais écoutez, je redis, hein, y a pas de magie. On aura besoin de. En fait, on aura besoin de tirer sur toutes les ficelles. Et on aura besoin de tirer sur moins de ficelles que ce qu'on pense pouvoir faire. Voilà. Donc, il faut essayer de tous vivre avec ça, avec cette idée, et de le désirer. Et puis, on arrivera peut-être à faire quelque chose de sympa. Plus ou moins dans la même veine, moi, je dirais que quand on fait de la physique, mais c'est vrai pour la science en général, le système est toujours défini par ses conditions limites. Tout modèle qu'on développe ou tout système physique est défini par ses conditions limites. Et en fait, si on doit faire une analogie, c'est exactement là où on en est. En fait, on doit prendre en compte les conditions limites qui nous entourent et définir un système vivable dans lequel on peut rester dans ses limites. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Alors, en tant que scientifique, ça nous paraît toujours évident, parce qu'à chaque fois qu'on résout des équations, on prend en compte les conditions limites. Quand on regarde notre société, en fait, on se rend compte qu'on ne les a pas prises en compte, ou du moins, on pensait qu'on pouvait faire outre. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte ces limites de façon graduelle et sans trop de casse, ou est-ce qu'elles vont s'imposer à nous de façon brutale. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Merci à tous les deux, merci Cyrus. À bientôt. Au revoir, à bientôt.